Shalom, shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Quelle joie encore de nous retrouver ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, bien-aimé de Dieu, de là où tu es, Dieu te redonne encore en ce matin le privilège de pouvoir te tenir debout, de pouvoir respirer, de pouvoir voir, de pouvoir toucher, de pouvoir marcher. Voilà pourquoi en ce matin, je veux tout simplement t'inviter encore à élever cette prière du fond de ton âme, du fond de ton être. Et en ce matin, avoir une pensée pieuse pour toutes ces âmes, pour toutes ces personnes qui par moments se lèvent remplies d'angoisse, remplies de peur, remplies de doute, parce que se laissant assaillir par tant de situations, par tant de souffrances, par tant de douleurs. Et en ce matin, dire à ces personnes de tout simplement se laisser remplir par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut en ce matin les fortifier par son Saint-Esprit, qui va encore leur redonner l'assurance de ce qu'il est, l'assurance de son salut. Oui, parce que nous sommes des hommes de chair, nous sommes des femmes de chair. Et par moments, la faiblesse prend le dessus. Les peurs prennent le dessus. Les doutes et les angoisses, les inquiétudes prennent le dessus. Quand notre Dieu nous dit, mais pourquoi avoir peur? Pourquoi te laisser tourmenter par tous ces bruits autour de toi? Quand moi, ton Seigneur, ton Sauveur, est tout près de toi. Voilà pourquoi je veux tout simplement t'inviter à prendre ce cantique avec moi. Et comme à l'accoutumée, que ce soit une prière. Une prière que tu élèves devant le trône de Dieu, accompagnée de tous nos anges et de tous les saints. En ce matin, éternel Dieu, je veux redire encore à mon âme que tu es le Dieu de la vie, que tu es le Dieu de paix, que tu es le Dieu de la joie, que tu es le Dieu de l'amour, que tu es le Dieu qui pourvoit, que tu es le Dieu qui appelle l'échoué à la réussite, que tu es le Dieu qui appelle le mort à la vie, que tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu de l'impossible. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. 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 Oui, Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu que les prophètes ont annoncé. Tu es le Dieu qui accomplissait des miracles il y a de cela 2000 ans et qui accomplit encore ces mêmes miracles de nos jours. Tu es le Dieu qui sait changer et bouleverser le cours de nos vies. Tu es le Dieu qui sait toucher. Tu es le Dieu qui sait établir. Tu es le Dieu qui sait guérir le malade. Tu es le Dieu qui sait ramener à la vie celui qui était mort. Tu l'as fait pour Lazare. Tu l'as fait pour la fille de Jaïrus. Tu l'as fait pour la femme aux pertes de sang. Voilà pourquoi en ce matin, Seigneur, nous voulons encore te redire ces mots. Te redire la louange qui monte de nos cœurs. Que tu es le Dieu de nos vies. Tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Même quand les inquiétudes sont là. Même quand nous sommes tourmentés par les ténèbres de nos vies. Seigneur, tu es là. Rabbi, tu ne changes pas.
que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la paix. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la paix. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la paix. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la joie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la joie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la joie. 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 Rabbi, tu es le Dieu de la joie. Mon Dieu, j'ai des peurs, des inquiétudes et même des doutes dans mon esprit. Pourtant, je sais que je peux affronter toutes choses avec toi. Car quand je suis faible, tu me fortifies. Quand j'ai des questions, tu sais me répondre en redonnant l'assurance qu'il faut à mon âme. Seigneur, en ce matin, je te présente ma vie. Je te présente toutes les situations de ma vie. Je te présente tous ces troubles, ces angoisses. En ce matin, éternel Dieu, prends mes fardeaux et efface toutes mes peurs. Remplace mon insécurité et mes craintes par ta paix. Fais que mon âme soit réceptive à ta voix et enseigne-moi à avoir confiance en ta fidélité. Restaure ma joie. Donne-moi de la force pour aujourd'hui et de l'espoir pour demain. Donne-moi un cœur désireux d'obéir à tes demandes. Par Marie, notre mère. Amen. Yahweh, tu es le Dieu de la vie, c'est toi. Le Dieu de paix, c'est toi. Le Dieu de la joie, c'est toi. Le Dieu rempli d'amour, c'est toi. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de ma joie. Tu es le Dieu de ma paix. Voilà pourquoi en ce matin, Seigneur, envoie encore tes anges camper tout autour de nous. Envoie encore tes anges nous redonner le salut, l'assurance de ton salut. Envoie encore tes anges nous donner de pouvoir recevoir ce que tu as prévu pour nous. Oui, éternel Dieu, telle est la prière que nous faisons monter au devant de ton trône en ce matin. Jette encore un regard d'amour sur toutes ces personnes, un regard d'amour sur toutes ces âmes qui ne désirent que toi, qui ne désirent que te voir, qui ne désirent que te toucher et te sentir auprès d'eux. Et par Marie, nous te les présentons, Seigneur. Que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la paix. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la joie. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie.
Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la paix. 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 Alors bien-aimé de Dieu, en ce matin, continue encore de soupirer ce cantique au fond de toi. Continue de présenter tes angoisses devant le trône de Dieu. Dépose ta nullité au devant du trône de notre Seigneur et sois convaincu qu'il n'est pas sourd, qu'il te voit, qu'il t'entend et saura te combler bien au-delà de toutes tes attentes. Il saura apaiser toutes tes souffrances et toutes tes douleurs. Et c'est dans cette mouvance-là que je te souhaite de passer une excellente et sainte journée, accompagné de tous les anges et de tous les saints. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.